Le 26 juillet 1995, le lendemain de l'attentat du RER B à la station Boulevard Saint-Michel, j'ai débarqué en France. J'aurais pu différer mon départ pour ne pas poser les pieds sur des braises aussi ardentes, mais trop tard, j'étais déjà sur le bateau au moment où ça venait de se passer. Après une nuit de voyage, me voilà à Marseille. C'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds en France. Ce qui m'avait frappé en arrivant, c'est que votre pays ressemble aux souvenirs d'enfance que j'ai gardés de l'Algérie française. Quand j'ai vu ça, je me suis dit finalement la France, c'est une Algérie française qui a réussi. Il y avait tellement d'Arabes, tellement d'Algériens sur la Canebière, j'ai cru que le bateau n'était pas parti. Ou alors que j'étais dans un autre Alger. Enfin, le même Alger, mais que les Français n'ont pas quitté en 1962. Il n'y a pas eu d'indépendance, la guerre d'Algérie est finie, mais le feu couve toujours sous les cendres. Dans les cafés, les télés, les radios et les gens ne parlaient que de l'attentat de Saint-Michel. Dans la rue, les unes de la presse et aux devantures des kiosques n'étaient consacrées qu'à ça. L'atmosphère était très tendue. La peur se lisait sur les visages. Il régnait une ambiance à teindre un arabe en blond. Si j'avais su, je me serais déguisé en finlandais. Un finlandais si fin, si ressemblant, que même si je disais un français, « Yarros Mahliar, Yarros Babal, Tardel Kole Winger, la gare Saint-Charles », pour lui, ce serait du finnois. Une atmosphère de guerre, des militaires, de l'opération Vigipirate, partout. Dans le métro à la gare Saint-Charles, des compagnies de parachutistes armés jusqu'aux dents et coiffées de bérets rouges circulaient parmi la foule. Ils descendaient les escaliers, remontaient les escalators, comme s'ils crapahutaient dans le désert, le Djebel ou les rues de la Casbah. En les croisant, des souvenirs enfouis remontaient à la surface. Rêve-je? C'est la bataille d'Alger ou quoi? Oh, c'est peut-être le choc psychologique de mon arrivée en France qui me donne des hallucinations. Tout en essayant de me faire le plus discret possible, j'ai foncé droit vers les guichets et j'ai acheté un billet Marseille-Paris par Toulouse, s'il vous plaît. Merci, madame. J'ai attrapé le train de justesse. Quand j'ai surgi dans la voiture numéro 3, les voyageurs me remarquèrent immédiatement. C'est pas très difficile, vous me direz. Avec la tête que j'ai, plus la situation est tendue, plus je stresse, plus je m'enferme, plus je mute, et plus je mute, plus je ressemble au portrait robot de tous les terroristes islamistes de la planète. Et il me manquait que la barbe, et ça les gens la dessinaient eux-mêmes dans leur tête. Beaucoup de monde dans le train. L'espace réservé au bagage était plein à craquer. Pendant que j'essayais de caser ma valise dans un endroit où elle ne gênerait pas le passage, le djinn, le petit diable qui squatte le département parano de mon cerveau reptilien, me dit « Chouf ». Wesh, chouf. Ils n'arrêtent pas de te chouffer depuis que tu es entré. Ils analysent chacun de tes gestes. Quand je les ai surpris, les voyageurs détournèrent la tête vers la fenêtre, faisant semblant de regarder défiler la banlieue de Marseille que nous étions en train de traverser. Je voyais bien que j'avais créé une tension, un malaise. Le djinn, ils vont peut-être te lâcher. Ah, y'a blaf, Mokunta. Pour rassurer tout ce beau monde, je sors un livre de ma poche pour donner l'air d'un intellectuel algérien pacifique. Qui lit Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, San Antonio. Je voulais, mine de rien, lancer un message de paix, un SAS. Un salam alikum subliminal. Mesdames, messieurs les voyageurs, afin d'agrémenter votre voyage, un bar-restaurant se tient à votre disposition en voiture. Je n'avais pas envie d'apprendre, mais j'avais sandwich. Ça faisait deux jours que je n'avais pas mangé. J'ai résisté un petit moment, puis je suis allé vers la voiture 14. C'était un vieux train qui n'arrêtait pas de cahoter, de trembler de toute sa ferraille. Très difficile de circuler dans les couloirs ou de passer d'un wagon à l'autre, à l'endroit où ils sont raccordés, et la voiture 14 était loin. Je suis revenu à ma place. Le djinn, il se demande d'où tu es allé et pourquoi tu reviens aussi vite. Je ne peux pas rester comme ça sans manger, il faut que je fasse quelque chose. Soudain, une idée saugrenue me traverse la tête. Je suis allé me pointer à côté d'une porte de sortie et j'ai attendu comme un sportif sur son starting block. Arrivé à la gare suivante, avant même que le train ne s'arrête complètement, je saute sur le quai et me suis mis à courir comme un fou vers la voiture 14.
J'ai grimpé les 3 marches et le train est reparti. Beaucoup de monde dans le wagon restaurant. J'ai fait la queue. 20 minutes après, mon tour arrive. La serveuse, bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Eh bien écoutez mademoiselle, j'aimerais bien un petit sandwich au... Monsieur Ahmed Bastilal, Ben Ali, demandez d'urgence à la voiture 3. Monsieur Bali Mohamed, demandez la voiture 3 s'il vous plaît. Le diable, tu es le seul maghrébin dans la voiture 3. Il s'agit peut-être de toi. Ah, ya Khalina. Ah, et si le diable avait raison? Et là, je me suis remis à courir, mais cette fois-ci à l'intérieur du train, vers la voiture 3. Une fois arrivé, j'ai trouvé tous les voyageurs entassés comme un seul homme derrière le contrôleur. Tous avaient les yeux vissés sur ma valise. Le contrôleur, ne bougez pas! Je ne comprenais pas, puis j'ai compris. Mais n'ayez pas peur, monsieur, dame, je vais l'éteindre. Non! Mais c'est pour rigoler. C'est de l'humour algérien. N'ayez pas peur, je suis un islamiste modéré. Ah! Mais non, n'ayez pas peur, mais c'est vrai, il n'y a rien de dangereux dans la valise. Je vais l'ouvrir, vous allez voir tous. Non! Ça a crié, ça a hurlé, ça courait dans tous les sens. Je ne savais plus où donner de la tête. J'étais encore plus paniqué qu'eux. Soudain, prends le bas de combat derrière moi, je me retourne et je vois arriver droit sur ma tête, à la vitesse de l'éclair, une sorte d'épée de samouraï suivie d'un kiaï. Yaa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 
un cooking show qui va vous me permettre de vous révéler les secrets les plus intimes des origines du couscous, ainsi que la meilleure façon de le préparer en Algérie, au Maroc et en Tunisie, les trois pays qui composent le Maghreb. Je rappelle en passant, mesdames et messieurs, que Maghreb en arabe signifie Occident. Ce qui fait des habitants de cette terre dite orientale des Occidentaux bien avant l'heure. Alors, comment toute cette histoire a commencé? Je vous rassure, hein, c'est de la viande halal et cachère. Hein. Et les catholiques et les laïcs, je vous rassure aussi, la bête a été étourdie avant l'abattage. Hein. Elle n'a pas souffert. Pour qu'elle ne souffre pas, on lui a donné à fumer du hashish. Elle était très contente de mourir. Hein. Où est l'abattoir? C'est de la viande 100% psychédélique. Jusque-là, le couscous, tout comme vous, je savais le manger, mais je ne savais pas le faire. Mais j'ai appris très très vite. J'adorais ça. Faire du couscous, pour moi, c'était le lien affectif avec l'Algérie perdue et avec la France retrouvée. Mais un matin, l'événement qui allait être à l'origine de la création de cette entreprise surgit comme par miracle. En sortant de chez moi, j'achète la presse du jour, puis je rentre dans un bistrot. Bonjour Gérard, je peux avoir un café s'il te plaît? Je parle avec cet accent parce que Gérard est kabyle comme moi. Il se fait appeler Gérard parce que c'est ce qui est le plus proche de Djelloul. Merci Gérard. J'ai ouvert l'un des journaux et un titre étalé de 200 langues me saute aux yeux. C'est pas possible, stupéfaction. Ahuri, je parcours rapidement l'article. Je n'en reviens pas. J'ouvre les autres magazines, pareil, la même nouvelle partout, un sondage d'opinion affirme que le couscous est devenu le plat préféré des Français. Incroyable! Mais qu'est-ce qui leur arrive aux Gaulois? Le ciel leur est tombé sur la tête ou quoi? Le couscous est arrivé en tête de toutes les préparations qui concourent sur le Tour de France de la bonne bouffe. Ah, faut dire qu'il a du souffle, le bourricot. Mine de rien, il est descendu de l'Atlas et sans réfléchir, pochiche en tête, il a traversé la Méditerranée et remonté le plus haut sommet des Alpes et du Massif central. Il a feinté la blanquette de veau, fait un croche-pied à la fondue, dribblé la choucroute, désassemblé la polenta, écrasé la moussaka, éreinté le steak frites, essoufflé le goulash. Vas-y, 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 halaka, 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 vas-y! Vas-y, te laisse pas faire! Droit devant, pas regarder en arrière, mon frère. Toujours devant, concentre-toi. La victoire est là-bas au bout du pic derrière le col. Allez, passe le grand braquet, mets-toi en danseuse et roule ma poule au pot. Attention, il y a le boudin martiniqué qui veut te niquer par derrière. Ne te laisse pas faire. Allez, 5 dans tes yeux, pars. Un petit peu de cumin, un zeste de cannelle, une rasade d'huile d'olive, et en avant ma cocotte. C'est pas le chili con carne qui va grimper une côte pareille. Aïe, 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 le cassoulet remonte la pente doucement mais sûrement. Il lâche les gaz. Ça va péter. Et voilà qu'il est talonné sur sa gauche par un petit salé au lentille qui lui colle au tricot. Attendez voir mes cocos, le couscous envoie une lampe de harissa, passe la vitesse, laisse la vapeur, il passe de l'autre côté du miroir. Comment passe de l'autre côté du col? Il descend à toute berzingue vers le point d'arrivée. Le couscous est en tête du peloton, le maillot jaune. Vous imaginez alors ma joie en apprenant que le peuple français qui a porté au sommet de ses possibilités l'art et le raffinement du bien manger mettait en tête de son panthéon gastronomique la création, la recette de mes ancêtres, les berbérichons. Dites-moi, derrière ce compliment adressé à notre plat emblématique, se cacherait-il une déclaration d'amour? N'est-ce pas une façon détournée de nous dire que vous nous aimez enfin? Bon, je comprends, hein. Je comprends qu'il ne soit pas facile d'avouer comme ça de but en blanc ses sentiments à quelqu'un qu'on a méprisé depuis
Depuis plus ou moins toujours. Vous le faites alors à travers cette spécialité qui représente à vos yeux le fondement même de notre identité, puisque selon le parler traditionnel franchouillard, le maghrébin est un couscous. Tout comme l'anglais est un roast beef, l'italien un macaroni, le portugais un bacalao, ou le chinois un kamalaki. Quand vous êtes une majorité à déclarer « nous aimons le couscous », nous devinons que le compliment s'adresse à nous, car nous savons décoder les messages les plus secrets. N'oubliez pas que nous venons d'une culture où les paraboles sont des moyens de communication bien avant les paraboles. Mais alors aujourd'hui, fini les paraboles, fini les allusions, nous voulons des déclarations franches. Y a-t-il des Français dans la salle ? Je veux dire des Français de souche, des Français de fond. Je parle pas de la petite couche là au-dessus là, qui vient juste d'arriver là. Tous ceux qui ont la nationalité française depuis plus de 20 ans, j'aimerais vous entendre dire « on vous aime ». Non, doucement, on va s'organiser, je sais que vous voulez rattraper le temps perdu. Mais quand même, on s'organise. Je compte jusqu'à 3 et tous ensemble. Alors, 1. S'il vous plaît, que les Algériens qui sont dans la salle se taisent et laissent les Français s'exprimer, s'il vous plaît. Alors, bon, 1, 2 et 3. On vous aime ! C'est magnifique. Et maintenant, j'aimerais que les Algériens dans la salle disent aux Français qui sont dans la salle, on vous aime. 1, 2 et 3. Je profite de cet élan affectif spontané pour lancer un appel à la minorité de Français qui hésite encore à nous accepter, pour leur dire « n'ayez pas peur de nous ». Si les conditions sont réunies, nous pouvons nous dissoudre dans la République plus vite qu'un cachet d'aspirine dans un verre de Vichy Saint-Yor Gézouz. En acceptant le fait que nous sommes entrés définitivement dans votre corps social et que nous l'habitons, ça va vous apaiser. En nous acceptant, vous nous intégrez, et en nous intégrant, vous nous oublierez. Vous nous oublierez comme vous avez oublié les Mérovingiens, les Huns, les Francs, les Italiens, les Espagnols, les Polonais, les Russes, les Ch'tis, les Normands. Un jour, en regardant autour de vous, vous vous direz, mais où sont-ils? Mais où sont nos Maghrébins? Mais où sont nos Berbères et nos Arabes? Ben, on n'est plus là, ben. Vous ne nous verrez plus, car nous serons en vous. Dilué comme la harissa dans le bouillon du couscous. Chers frères, chères sœurs, chers beaux-frères, chères belles-sœurs, chers futurs cousins, maintenant que nous avons votre reconnaissance, nous allons construire ensemble une France plurielle, délivrée de ces démons xénophobes. Une France nouvelle, dynamique, optimiste, toute entière, tournée vers la Mecque. Vers l'avenir, pardon. Non, ne nous aimez pas. Finalement, c'est pas une bonne idée. Non. Ça nous arrange pas. Je vous en supplie, ne nous aimez pas. Ça va nous mettre mal à l'aise. Si ceux qui sont catalogués comme étant les racistes décident de ne plus l'être, c'en est fini de notre fonds de commerce. Alors, ne bougeons plus rien, gardons nos positions. Nous sommes les victimes, vous êtes les coupables, c'est plus simple. Se sentir victime, c'est tellement jouissif. Par contre, ça doit être chiant d'être du côté des coupables. Hein. Vous êtes mal, hein? Vous allez chez le psy. Oh, docteur, on les a colonisés. On leur a fait du mal, on s'est mal conduit. Alors nous, on vous entend pleurer, ça nous fait marrer. Mais non, je rigole. Mais je rigole, relax. Nous aussi, on vous aurait torturé, hein. Ah oui? Vous savez, tout le monde est raciste, hein. C'est la chose du monde la mieux partagée.
On peut tout à fait être raciste et aimer quelques autres. Mais c'est pas la peine de se raconter des histoires, on peut pas aimer tout le monde. Nos cœurs sont trop petits, il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas assez de place. Alors nous faisons de la sélection naturelle, on aime ceux qui nous ressemblent, ceux qui regardent vers le même horizon. On bourre nos cœurs, on affiche complet et on joue entre nous à guichet fermé. Aime-moi s'il te plaît, désolé, mon cœur est sur Booker. Là. Haïr l'autre, l'humilier, le considérer comme inférieur, est une seconde nature chez tous les humains. C'est comme respirer, c'est comme marcher. Tout le monde marche. Bon, après, c'est des degrés. Il y a ceux qui marchent normalement, il y a ceux qui vont vite, il y a ceux qui courent. Après, il y a ceux qui font de la compétition. C'est dans l'excès que réside le danger. Une petite dose homéopathique de racisme, ça fait du mal à personne. Ça met du piment dans la sauce, ça. Il faut le dire, il faut l'avouer. Nous sommes encore plus racistes que vous. Nous, c'est simple, on déteste tout le monde. Mais comme c'est vous les puissants, c'est vous qui avez la responsabilité d'assumer le racisme officiel. C'est une fonction de civilisation supérieure. Un noir, un arabe, un chinois raciste, c'est antinomique. C'est un peu comme un pauvre qui joue au riche, il ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Alors nous sommes obligés de taire notre racisme et de le vivre en secret. Nous sommes brimés. On ne peut pas s'exprimer d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je le dis, oui, messieurs, dames, nous sommes racistes. Et quand nous serons reconnus comme des citoyens à part entière, nous réclamerons le statut d'être racistes comme tout le monde. Et le jour où le statut d'être raciste comme tout le monde nous sera donné, vous imaginez d'ici la ratatouille, la tchèque-tchouka que ça ferait si on s'inscrivait tous, si on prenait tous une carte au Front National. On sera immédiatement majoritaire. Les militants actuels du Front National, il y a une maladie, ils vont tous partir, Marine va mettre les voiles. Et nous, les Français dehors, mais non, je plaisante, on va vous garder, enfin on va faire un référendum. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, hein? Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Où veut-il en venir? Mais c'est quoi ce charabia? C'est du lard ou du mouton? Je comprends, messieurs, dames, je me laisse aller, je parle, je vous ouvre mon cœur, je me livre avec franchise, et vous m'écoutez avec extase. Mais je ne sais pas si vous me croyez vraiment, car un autre sondage classe les Français en tête des peuples les plus pessimistes au monde. Et dans un autre sondage, parmi les pays les plus accros aux anxiolytiques et aux somnifères, la France, c'est Waterloo. Tout le monde dort. Allez, réveillez-vous là-haut. Vous avez vu quels sont les pays qui sont les plus optimistes? En tête viennent les Vietnamiens, après c'est les Nigérians, après c'est les Afghans et les Irakiens. Vous vous imaginez, les Afghans, les Irakiens, ils sont optimistes. Ils devraient tous aller se suicider collectivement. Ben non, on est optimiste. Tant qu'il y avait de la vie, il y a de l'espoir. Vous n'avez pas honte. Et c'est pas fini. Une étude internationale vous a décerné le titre de pire touriste du globe terrestre. Le monde entier vous reproche d'être râleur, radin, arrogant, impoli. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Après Waterloo, c'est la Bérésina, ma parole. Heureusement que nous sommes là, hein. Il vous reste plus que nous. On vous trouve bien, nous. On croit en vous, nous. Être français, c'est la classe. On veut tous être français. On veut la baguette, on veut le béret, on veut le 14 juillet et un passeport français pour voyager partout dans le monde. Comme ça, nous aussi, on peut être arrogant, impoli. Hé, casse-toi, pauvre con. Descends si t'es un homme, connard. Et à la fin des vacances, on rentre chez nous, en France, la tête haute, en passant par le couloir passeport européen. Pendant ce temps-là, dans les autres couloirs, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Africains qui ne sont pas encore français. Aïe, aïe, aïe. Les policiers de leurs frontières, de leur ligne. Alors, combien de temps avez-vous l'intention de passer en France?
Ça dépend de vous. Mais comment ça? Eh ben, si vous êtes gentil, je reste pour toujours. Que nous, le policier de notre frontière à nous. Allez, messieurs, dames, s'il vous plaît. Allez, mes petits loups. Vous avancez, s'il vous plaît. Vous avancez. Oh, pchouïa, pchouïa, blaka le schmig. Oh, mais il n'y a pas le feu, là. Oh, là, 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 là. Et puis, tu me parles pas comme ça. Je suis français, maintenant, moi. Et à Duc. Vous savez quoi? Vous avez trop perdu le moral, vous les Gaulois. Il vous reste plus qu'une solution pour vous en sortir, c'est qu'on vous colonise. Oui, 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 vous avez bien entendu, on va vous coloniser. On va faire le constat du passé, on dressera une liste des dégâts, on va voir comment on peut réparer tout ça, et après on s'arrange entre nous. De toute façon, on ne va pas faire autrement, vous êtes au sommet des abîmes du stress, et nous sommes sur le pic des abysses de la détresse. Mais nous sommes plus nombreux et nous avons Allah avec nous. Alors, si vous ne voulez pas subir les pires sévices, ne nous résistez pas. Alors, mettons-nous à table et discutons. Alors, il y en a beaucoup, hein. Avis aux indigènes de France. Article 1, on s'installe partout chez vous, mais vous ferez comme si on n'était pas là. Article 2, pour vous aider à retrouver le A que vous a fait perdre l'agence Standard & Poor's, nous vous donnerons le A de Algérie. Cadeau. Nous, on n'en a pas besoin. Et si ça ne suffit pas, pour un remède cheval, on vous donne aussi toutes les autres lettres. En fait, on vous rend l'Algérie. Article 3, vous continuerez à organiser des élections démocratiques à votre façon, parce que si on importe nos systèmes de vote à nous, on coule le scrutin à jamais. Article 4, vous continuerez à élire des présidents et des ministres français de souche, à nommer des députés et des ministres français de souche, parce que nos hommes politiques à nous, yaïma, on a déjà donné. Chez vous, quand les hommes politiques arrivent au pouvoir, ils disjonctent, chez nous, ils enlèvent le compteur, avant. Article 5, nous vous ferons voter une loi qui nous exclura pas de toute participation à la vie politique. On discute en ce moment de vote des étrangers aux élections locales. La gauche est pour, la droite est contre, et nous, on n'en veut pas. On n'a pas l'habitude des scrutins honnêtes. Chez nous, quand on vote au présidentiel, il y a un seul candidat, et il y a deux bulletins, oui ou non. Si c'est oui, il est élu. Si c'est non, il est élu. Article 6. On vous autorisera à nous interdire de prier dans les rues. Nous prierons sur les trottoirs. Et pour une meilleure fluidité de la circulation piétonne, les jours pairs, on priera sur les trottoirs de droite, et les jours impairs, sur ceux de gauche. Parce que nous, l'administration, les impôts, la démocratie, l'économie, l'enseignement, la culture, les musées, le tourisme, le métro, le cinéma, les égouts, la justice, les droits de l'homme, les machines à laver, la poste, les avions, tout ça, on sait pas faire. Vous savez, chez nous, dernièrement, ils ont acheté 200 éoliennes et ils les ont installées dans un endroit où il n'y a pas de vent. Le jour de l'inauguration, la délégation ministérielle est arrivée avec le ministre de l'énergie en tête. Il y avait les ingénieurs et le peuple qui attendaient avec les ciseaux, etc. Et une fois arrivé, l'ingénieur, le ministre regarde les éoliennes. Mais, il dit aux ingénieurs, mais comment ça se fait que... Mais elles ne tournent pas. Et les ingénieurs, eh ben oui, monsieur le ministre, eh bien, on vous l'avait déjà dit, c'est une région où il n'y a pas de vent, c'est normal. Mais il faut les faire marcher avec l'électricité. Autrement, comment voulez-vous qu'on produise du vent?
Et pourtant, on vous a regardé faire hein, quand vous étiez chez nous. Hein. On a tout regardé, on a étudié, on a copié, on a recopié, on a regardé. Et quand vous êtes parti, on a voulu refaire la même chose, on a tout oublié. Un vrai désastre. Alors on est parti nous aussi. On vous a suivi. On se quitte plus, hein. L'immigration, c'est le boomerang de la colonisation. Alors, vous vous occuperez de tout, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Comment? Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait en tant que colonisateur? Ah ben, on sera là avec vous, on va vous tenir compagnie. On va vous faire du thé. On va faire du couscous, on va faire des enfants. Nos femmes lanceront des you-you pour vous aider, pour vous encourager à aller travailler plus pour gagner plus. Et on vous apprendra à rester zen. Et à chaque fois qu'on voit que le stress vous regagne, on vous apprendra, on vous initiera à l'un des piliers de notre philosophie de vie, le Mektoub. Si par exemple, vous êtes en chômage depuis 2 ans, vous allez à Pôle emploi et on vous annonce que vous n'avez plus de droit aux indemnités, vous dites juste « Mektoub ». Et ça va beaucoup mieux déjà. Le Mektoub relativise les catastrophes. Allez, on va faire un petit entraînement. Vous vous levez le matin et vous trouvez qu'on vous a coupé l'eau, le gaz, l'électricité. Vous allez peut-être gagner au loto la semaine prochaine. Mais non, là c'est Inch'Allah. Le Mektoub relativise les catastrophes, il rétablit l'équilibre psychologique et soigne la dépression. Il est gratuit et facile d'utilisation, c'est le Prozac du pauvre. Mektoub en arabe signifie « tout ce qui arrive est écrit d'avance ». Si par exemple il est écrit d'avance que vous allez mourir sous un obus qui va vous tomber dessus, quand l'obus arrive sur vous, c'est pas la peine d'aller là-bas. Hein. Il vaut mieux l'attendre là, tranquille. Hein, parce que l'obus, il va vous suivre. Hein. Il a une mission à aller. Faut qu'il l'accomplisse. Par exemple, ici chez nous, enfin chez vous, quand un train arrive avec 10 minutes de retard, c'est écrit sur le tableau électronique. Nous, quand un train chez nous là-bas arrive avec 2 jours de retard, c'est écrit dans nos gènes. Je me souviens un jour, pour l'anecdote, un jour je suis allé attendre ma sœur qui devait descendre d'un avion qui venait de Tamanrasset, à 2 000 km d'Alger, dans le sud. Elle devait arriver à 10h du matin, je suis allé là-bas, à 10h moins quart, j'étais à l'aéroport, et je trouve sur le tableau électronique, c'était marqué « L'avion en provenance de Tamanrasset est reporté à 12h ». Je suis allé acheter le journal, j'ai bu un café, j'en reviens à 12h moins quart, tac, de nouveau, l'avion de Tamanrasset est reporté à 14h. Je suis allé manger, je suis revenu, de 14h, il est reporté à 16h. Et ainsi de suite, de 16h à 18h, de 18h à 20h, et là je suis allé voir un agent de la compagnie, je lui dis, écoute mon frère, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 10h du matin je suis là, et à chaque fois on reporte l'avion de Tamanrasset, quand est-ce qu'il arrive vraiment? Et le monsieur Margadier m'a dit, venez voir. Je l'ai accompagné vers une baie vitrée, qui donne sur le tarmac de l'aéroport, il me dit, venez voir. Vous voyez le Boeing 737 là, qui est derrière l'Airbus, le bleu là? Je lui dis, oui. Il me dit, c'est lui qui fait la navette entre Alger et Tamanrasset. Je lui dis, et alors? Il me dit, il n'est pas parti, comment tu veux qu'il vienne? Pour réaliser un bon couscous, il faut disposer d'un couscoussier. Cet ustensile indispensable est composé de 2 parties bien distinctes, le haut et le bas. Le bas, comme vous pouvez le constater, est une grosse marmite que nous appellerons la partie A. Le haut est une sorte de dégouttoir avec plein de petits trous que nous appellerons la partie B. B s'agence sur A pour former l'ensemble BA. AB, BABA, sans lequel tout couscous est impossible, même si impossible n'est pas maghrébin.
Alors, afin d'éviter des déperditions de vapeur, on peut boucher l'endroit où se vissent les deux parties avec un morceau de tissu que les Kabyles appellent Akfel. Répétez après moi, Akfel. Les Français, vous pouvez dire Akfal pour ne pas avoir mal au... Donc, 1, 2, 3, Akfal. Retenez bien ce mot, je pourrais vous interroger tout à l'heure. Alors, je profite de cette démonstration pour vous parler d'un sujet très brûlant, le réchauffement de la planète. La Terre ressemble à un couscousier qu'on ferait cuire au soleil. Le soleil représente en quelque sorte le fourneau. Les océans, les fleuves et les rivières, c'est la sauce. Les végétaux, c'est les légumes. Quant à l'humanité, c'est la viande dans toute sa diversité. Halal, cachère, fumée, faisandée, salée, séchée, etc., etc., etc. Si on laisse la semoule s'accumuler en grande quantité dans la partie B, elle fera pression et on bouchera les trous. Cela empêchera la vapeur formée par la chaleur dans la partie A de s'échapper. Cette vapeur enfermée dans l'atmosphère, que dis-je, dans la stratosphère de la marmite, ne pouvant pas s'échapper, va augmenter la température de plusieurs degrés. Résultat des courses, les légumes vont fondre et la viande humaine sera archi-cuite. Cuisson extrême qui n'aura plus rien à voir avec le ridicule coup de soleil qui roussissait nos peaux sur les plages de Djerba ou de Palavas, les flots. Le Maghreb et l'Afrique subsaharienne sont déjà un vaste laboratoire des conséquences de l'effet de serre. À cause de sa position géographique, la France aussi est aux avant-postes des pays en voie de désertification. Des maladies de peau désastreuses vont s'y développer. Voyons les conséquences et le diagnostic, ainsi que les solutions possibles. Les dermatologues ont classé le degré de résistance de la peau contre les rayons ultraviolets en 5 catégories qu'ils ont appelées phototypes. Alors, nous avons le phototype 5, c'est la protection totale, et c'est les Africains de peau noire. C'est écran total, comme vous pouvez le voir. Les habitants du Pakistan, de l'Inde, du Pacifique et des Antilles, c'est phototype 4, très grande résistance. Les Asiatiques, phototype 3, excellente résistance. Nous, excusez-moi, j'ai pas pu trouver un autre légume, oui que ça. Donc nous, les blancs cassés, c'est phototype 2. Quant à vous, les blancs secs, vous êtes phototype 1. Fragile, très fragile. Vous venez juste après les rouquins et les albinos, qui eux sont phototype Kaika. Alors, pour protéger les générations futures, il faut les aider à naître avec des peaux nouvelles qui formeront une barrière contre les rayons ultraviolets. Pour cela, la solution, il faut régulariser tous les immigrés clandestins et mettre fin aux charters qui vident la France de sa matière première épidermique. Car à chaque fois que des phototypes 2, 3, 4 et 5 sont renvoyés chez eux, c'est autant de Français malades qui se profilent à l'horizon. Il faut aussi reconnaître, constitutionnaliser, il faut aussi systématiser les mariages mixtes et pourquoi pas les rendre immédiatement obligatoires. Vous pouvez profiter de cette rencontre pour nouer des liens. Eh ben oui, on gagne du temps. Ceci m'amène à toucher du doigt un autre sujet tout aussi brûlant, le renouvellement des générations. En ouvrant le journal Le Parisien de la région du coin d'aujourd'hui, je suis tombé tout à fait par hasard sur la rubrique Carnet, naissance et décès au mois de janvier et février. Sa lecture m'a interpellé, je vous en fais part. Alors, dans la région d'Aulnay-sous-Bois et autour, au mois de janvier, les naissances, Nabila Ayashi, Sissou Kombala, Kader Shehal, Majid Amrouj, Nabila Absaoui, Jamila Arbadji, Kouchkou Chaglayan, Dialombouk, Yasmine Belboul, les décès, Mathilde Laforêt, Jacques Seguin, Dominique Bruyère, Raymond Courtois, Chantal Duroc, Émile Potin. Arrêtez de mourir! Arrêtez de mourir, vous allez nous manquer. Mais c'est pour vous qu'on est venu ici, c'est pas pour les cailloux.
non seulement vous mourrez, mais en plus vous ne faites pas assez d'enfants pour assurer la relève. Ben oui, ralentir les naissances, c'est bien, mais chez vous, c'est grave. Vous mettez en péril l'avenir même de la France. Aujourd'hui, 60% de la population française a plus de 70 ans. Si la tendance se maintient, dans 50 ans, la majorité des Français de souche aura plus de 90 ans. Et c'est là que nous intervenons. Nous allons offrir à la nation notre formidable potentiel nataliste pour redresser la courbe du graphique. Soutenu par une croissance proportionnelle des allocations familiales, de la sécurité sociale, du RMI, du RSA, du PMU et du loto, nous allons compenser le déficit. Des milliers d'enfants vont naître chaque jour, à la ville comme à la campagne. Ils seront aussi nombreux que les grains de semoule dans un couscous des jours de fête. Ils pulluleront. La France deviendra un gigantesque parc Astérix, plein de petits gaulois de toutes les couleurs. Moulodix, descend du manège. Sans cet apport, dans quelques décennies, la France sera peuplée de centenaires branchés qui joueront à la PlayStation et iront tous les samedis soirs au Zénith écouter Johnny Hallyday qui, à l'âge de 145 ans, grâce à l'espérance de vie encore plus allongée, continuera à déclencher des effets Larsen dans les sonotones de mamie et de papys hystériques. Traditionnellement, le couscous était roulé à la main par des femmes. Assises par terre, elles officient dans de grands plats en terre, en bois ou en aluminium qu'elles tiennent bien serrés entre leurs genoux afin de les stabiliser. Tout en roulant la semoule, elles l'arrosent par intermittence d'eau afin d'obtenir des grumeaux qui, à force d'être pétris, deviennent de fins petits grains. Tout comme Carmen roule des cigares en chantant « L'amour est enfant de bohème », les rouleurs de semoule chantent, dansent, rient et se racontent des histoires qui tournent en bourrique. Leurs machos de mari s'amusant ainsi à inventer des revanches imaginaires qui leur mettent du baume au cœur. Alors si vous n'avez pas de femme à la maison pour la fabrication artisanale du grain, vous pouvez acheter de la semoule industrielle et on a d'assez bonne qualité. Elle se vend dans n'importe quel espace commercial, mais vous pouvez aussi l'acheter dans votre rue chez votre arabe du coin. Arabe du coin qui est généralement un berbère marocain. Ça y est, vous allez vous dire, il en profite pour balancer des pics sur les Marocains. Pas du tout, j'aime beaucoup les Marocains. Les Marocains et nous, c'est pareil, hein, c'est kif kif bhal bhal. Les Marocains, c'est des Algériens calmes. Oh, ne riez pas, vous savez que l'écrivain français Jean Cocteau disait bien « Les Français sont des Italiens en colère ». C'est exactement la même approche. D'ailleurs, si je poursuis la logique jusqu'au bout, on peut aller très très loin. Si les Marocains sont des Algériens calmes, c'est que les Algériens sont des Marocains agités. S'ils sont agités, c'est qu'ils sont en colère. S'ils sont en colère, c'est que ce sont des Italiens en colère. Et si les Algériens sont des Italiens en colère, c'est qu'ils sont... C'est rigolo, hein? C'est rigolo comment tout bêtement on découvre que nous sommes un même peuple. En colère. Dans le cadre du centenaire de la décolonisation, nous allons respirer ensemble. Allez, 1, 2, on inspire. S'il y a d'autres étrangers dans la salle, qu'ils sortent. S'il vous plaît, les Français et nous avons du linge sale à laver en famille. Vous reviendrez dans 5 minutes. Merci beaucoup. Allez, on inspire. On expire. On inspire. Sentez le Français qui est à côté de vous. Sentez-le. Sentez l'Algérien qui est tout à côté. C'est un ami. C'est un ami. Voilà, allez, on respire ensemble. Voilà, voilà. Allez, on expire. Relaxez-vous. C'est fini. Vous n'êtes plus en colère. Allez, on se réveille doucement. On se réveille doucement.
Et maintenant, nous revenons à l'épicier arabe du coin, chez qui vous allez acheter votre semoule pour réaliser votre couscous. Appelons-le Mouloud, c'est plus facile. Alors vous allez à la boutique, là-bas. Vous entrez chez Mouloud. Mouloud est au téléphone. Il est toujours au téléphone. Willy, 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 Wacha, Wassidi, Wacha, Tchidirena. Il palabre avec un cousin d'Agadir qui lui demande de l'aider à venir s'installer en France. Mais qu'est-ce qu'il vient faire en France? Qu'est-ce qu'il vient faire en France? La France est complice maintenant. La France est très violente. Il y a beaucoup d'étrangers. Il y a trop d'Arabes. Il y a trop de Français en France. Non. Reste là-bas. Reste là-bas. Tu sais, il y a un chanteur français qui s'appelait Richard Aznavour. Il a dit, la misère, il est plus joli au soleil. Je n'ai pas fait exprès, je trouve pas la semoule, vous pouvez pas m'aider. Mais tu vois pas, je suis occupé au téléphone. Bon, alors la semoule, tu vas jusqu'au rayon là-bas. Après les pois chiches, tu tournes à droite. Tu vas-y. Vous l'entendez, mais vous le voyez pas, mais lui vous voit. Il voit tout. L'épicier arabe du coin dans son magasin, c'est Big Brother. Dans chaque angle du magasin est installé un miroir déformant dans lequel vous vous voyez tout petit avec un grand nez ridicule. Il permet à Big Brother, Big Mouloud, de vous surveiller quand vous pénétrez dans les angles morts du magasin. Et comme en plus il est très parano, Mouloud, il met aussi un petit miroir dans sa caisse. Comme ça, quand il ouvre la caisse, il est sûr que c'est lui qui ouvre la caisse. Bien. Maintenant, tu vas au rayon alcoolique. Après, tu vas au rayon charcuterie. Le rayon charcuterie chez l'arabe du coin. Mais j'ai jamais pensé à ça. Mais normalement, il n'a pas le droit. Normalement, sa religion lui est interdite. Oh, remarque, pourquoi pas? Il y a bien un rayon halal chez Leclerc. Pourquoi il n'y aurait pas un rayon mécréant chez Mouloud? Mais attention, attention! La Mouloud, la marchandise hérétique, il la vend, mais il la touche pas. Haram, c'est piché. Ah, baba. Quand le livreur de cochonaille rentre dans un magasin, il lui dit, pose-le là-bas. Voilà, là-bas, oui, derrière, voilà. Merci, au revoir. Non, c'est bon. Et quand un client vient à la caisse avec un saucisson à l'ail, il lui dit, tourne-le, s'il vous plaît, je regarde les prix, retourne-le. Et maintenant tu prends un sachet là-bas. Vas-y, allez, au revoir, monsieur. Lorsque vous trouvez l'étagère sur laquelle est posée la précieuse semoule, prenez la première marque que vous trouvez, car c'est la seule. Exactement la même que chez Carrefour, mais beaucoup plus cher, trois fois plus cher, car l'arabe du coin sait très bien que vous ne venez chez lui qu'à des heures où règne l'embargo alimentaire partout ailleurs et qu'il reste la seule oasis nocturne où vous pouvez vous ravitailler. Avant d'acheter une marchandise, vérifiez attentivement la date de péremption. Car l'arabe du coin n'a pas toujours le sens du temps occidental. Alors quand un produit arrive à sa limite, il le bascule vers le calendrier arabe. Comme ça, il gagne 20 jours, un mois. Allô, tu sais, Abdelrahman, tu sais, il y a un type ici en France qui s'appelait Lipen. Si tu viens, il t'attend à l'aéroport à Orly là-bas, il te tue tout de suite, sans respirer. Si, en venant à la caisse pour payer, vous le voyez devenir tout rouge en parlant au téléphone et qu'il vous regarde dans les yeux, il parle en arabe, en berbère et tout ça, n'avez pas peur, hein. C'est pas des insultes, il ne s'adresse pas à vous du tout, hein. Il vous regarde dans les yeux, mais il ne vous voit pas. Hein. En fait, il regarde au lointain, mais comme vous êtes au premier plan de ce lointain, il prend appui sur vous pour se projeter en imagination jusqu'à Ifri, son village natal, juste derrière Agadir, et dire à son cousin tout ce qu'il pense de lui, les yeux dans vos yeux. Après le Mektoub, nous allons vous initier à la pratique du Ramadan. Ça va vous faire du bien. Le Ramadan est une très grande école de la maîtrise de soi. Du lever du soleil au coucher du soleil, vous traversez des centaines d'épreuves qui vont vous forcer.
Vous ne devez pas manger, pas boire, pas fumer, pas dire de gros mots, pas blasphémer, ni avoir de mauvaises pensées. Il faut être poli, il faut être respectueux. Il faut aider les vieilles femmes à porter leurs couffins très lourds jusqu'au sein de leur maison. Les aveugles à traverser la rue, là où il y a des voitures. Il faut donner aux pauvres. Enfin, tout ce qu'on ne fait pas le reste du temps, quoi. Alors, pendant le ramadan, durant la journée, vous n'aurez pas le droit de regarder de façon concupiscente votre conjoint. Ni de le toucher, ne serait-ce que du bout des doigts. Haram, c'est interdit. Si par hasard, en vous promenant, vous prenez la main de votre conjoint, vous... Oh, il faut la lâcher tout de suite. Et après, vous allez vous laver la main pour la purifier. Ah, ben, c'est pour ça que chez nous, l'homme, il marche toujours devant et la femme derrière. Ah ben oui, comme ça, même s'il cherche la main, il la trouve pas. Alors, vous n'aurez pas le droit à ce moment-là, toute la journée, de dire ni mon chéri, mon amour, ni, vous dites même pas mon chou. Ah ben oui, parce que Dieu, il est pas bête, il voit bien que c'est pas un légume. Et il faut être constamment sur ses gardes, car il y a des centaines de tentations durant toute la journée. Je vous donne juste un exemple. Vous avez un verre d'eau qui est là. Prenez le truc, normal, comme ça. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, ce qui me frappait, j'étais sidéré par l'état second dans lequel étaient les adultes pendant le mois de Ramadan. Salam alaikum. Salam. Ça va. Et toi, ça va? Ah, ça va. La ville, on dirait un hôpital. Un hôpital où on ne donne pas de médicaments. Sur chaque citoyen, on dirait qu'il y a une pancarte sur laquelle est écrit « J'ai faim, mais ne me donnez pas à manger. Hein. » Mais attention, le soir, ah baba, en 2 secondes, on passe de l'autre côté, on passe de l'hôpital à la discothèque. Hein. Les yo-yo, les klaxons, les machins, etc. Moi, mon père, à l'époque, je me souviens, il dormait toute la journée. Il se réveillait juste de temps en temps pour aller regarder quelle heure il est sur la pendule dans le salon. Et il est toujours 3 heures, là. Un jour, il s'est mis à crier. Qui c'est qui a déréglé la pendule? Ma mère lui a dit, mais personne n'a touché la pendule. Comment ça, personne n'a touché la pendule? Tout à l'heure, il était 3 heures, et maintenant, il est 2h30. Ma mère lui a dit, attends. 3 heures, c'était les 3 heures d'hier. Quand tu t'es réveillé pour regarder l'heure, tu es reparti te coucher et tu t'es pas réveillé jusqu'à maintenant. Et maintenant, il est 2h30. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est demain de ton hier. Alors des fois, quand mon père sortait de la chambre, j'avais besoin d'affection, donc je courais vers lui pour l'embrasser. Je lui dis « Papa !» Il me dit « Dégage !» Alors le soir, les adultes, ils sont tous autour d'une grande table où il y a des plats magnifiques, incroyables. Ça sent le thé, ça sent les gazous, les sélectos, etc. Ça chante, ça rigole. Mais que les adultes, nous les enfants, on est à côté parce qu'on est supposé avoir mangé dans la journée. Donc on participe pas là-bas. Ce qui fait qu'on est assis dans une petite meïda, on attend. Et puis, on va manger les restes. Alors il y a une petite table comme ça pour 3 et on est 12. Eux, ils mangent et rigolent, et de temps en temps, ils nous jettent un os. Et nous, les 12, on était... Alors un jour, moi, je voulais être comme les adultes. Pour être comme les adultes, pour être dans le même état et manger avec eux à table, j'ai dit à ma mère, « Maman, je veux faire le ramadan. » Et ma mère m'a dit, « Mais non, mon fils, mais tu es trop petit, tu es trop fragile. Quand tu auras 13 ans, tu commenceras à faire le ramadan comme tout le monde. Mais maman, il y a plein d'enfants de mon âge qui le font. » Bon, d'accord, écoute, voilà ce qu'on va faire. Cette année, tu feras un jour, demain, tu feras 2 jours. Demain, c'est pas possible. Même Einstein, il l'a pas fait. Donc, l'année prochaine, tu feras 2 jours, et ainsi de suite, jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, tu commenceras à le faire complètement. D'accord? Oui, d'accord, maman. Mais comme le ramadan des enfants n'est pas comptabilisé, tu feras don de ton jeûne à ton grand-père qui est mort après avoir laissé une grosse ardoise. Comme ça, Dieu va effacer les jours de sa tablette et ça lui fera des bonus pour le paradis. D'accord?
D'accord, maman, alors que, comment je fais? Eh bien, cette nuit, tu regarderas le ciel, et dans le firmament, tu choisiras une étoile. Tu imagineras que ton grand-père habite là maintenant, et tu lui diras, grand-père, demain, je jeûne pour toi. Et c'est ce que je fiche. Alors à 6h ça va, 7h ça va, 8h il n'y a pas de problème, à 9h je commençais à avoir la nostalgie du petit déjeuner, à 10h je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? À 11h je croyais que je n'avais plus d'estomac, et à midi je n'en pouvais plus. J'ai attendu que ma mère sorte, elle est partie faire les courses, et je suis entré dans la cuisine, j'ai ouvert un gros panier, et j'ai pris des beignets, il y avait plein de beignets, j'en ai pris un, je l'ai rempli de miel, et je l'ai mangé. Et à 1h30, ma mère est revenue des courses, j'ai couru vers elle, je lui ai dit « Maman! Maman! Grand-père, il a fait une grosse bêtise, hein. » Alors, après ça, donc, vous verrez, le jour où le ramadan sera obligatoire en France, bientôt, je pense, bien. Vous allez voir qu'au début, ça va être assez rigolo, hein. Assez rigolo. Au début, les premières heures surtout, vous êtes dans un état d'hébétu comme ça, de calme, c'est aérien, vous vous sentez très très bien. La faim, en général, le tsunami de la faim arrive toujours vers 3h15. Et là, tout d'un coup, vous avez l'impression qu'il y a un trou d'air qui s'ouvre sous une sorte d'ascenseur fou qui remonte là. C'est pas un haut le cœur, c'est un haut l'estomac. Vous avez l'estomac qui est là, qui s'accroche aux amygdales. Il veut sortir, il veut aller faire les courses lui-même, il veut faire la cuisine tout seul. Et là, vous entrez dans une spirale que seul le dîner pourra arrêter. Et le dîner, c'est dans 5 heures. Et 5 heures, il y a Emma. Vous ne pouvez pas lire, vous ne pensez qu'à ça, vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez rien faire. Et vous vous mettez à traîner chez vous, à faire des kilomètres, le tour du monde d'appartement. Vous passez à côté du frigidaire et vous entendez psst. Qui c'est? Psst. C'est le diable. Il habite dans le frigidaire. Et il vous appelle. Ouvre. Mais pourquoi? Mais ouvre, Yahmar, c'est dans ton bien. Vous ouvrez. Et la nourriture vous lance des you-you. Une maquette d'Adstein. Le tajin d'agneau au citron de la veille vous cligne de l'œil. Un Coca-Cola vous cible. Des œufs vous font du grain, des yaourts vous sautent dessus. Viens, viens, mange-moi, je suis à la fraise. Une foule aux olives sort de son emballage, ses plumes, enlève les élastiques. Elle vous fait un striptease. Habibi, Habibi, viens, mange-moi, Habibi. Va-t'en rétro, Satanas. Vous courez faire vos courses au marché, qui sont merveilleusement bien achalandés pendant cette période. Vous avez envie de tout, vous voulez tout acheter. Vous avez bien beau vous dire non, 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 non. Rappelle-toi, hier soir, tu n'en voulais pas, mais votre estomac ne se laisse pas faire. Monsieur, avec un petit peu d'ail et du cumin, ça ira très bien. Tu crois? Mais oui, bien sûr. Bon, alors un poulet, s'il vous plaît. Deux. Prends un gigot maintenant. Ah non! Qui c'est qui commande? Bon, d'accord. Alors un gigot, monsieur. Merci. Et maintenant, direction la pâtisserie. Valbellose, c'est la billard. Pendant les ramadans de ma jeunesse, pour passer le temps. Oublier la faim qui me tenaillait, j'allais très souvent au cinéma. Un jour, on y projetait un film policier. Il y avait un monde fou. À un moment donné, le héros du film rentre dans sa cuisine pour se faire le petit déjeuner. Il allume le gaz, il jette du beurre sur la poêle, dans la poêle, et le feu... Le beurre... Les spectateurs... Yaïma, qu'est-ce qui c'est que celui-là, qu'est-ce qu'il nous fait? L'acteur casse un œuf, le laisse tomber dans la poêle, il en casse un autre,
Silence total dans la salle. Pourtant, nous, pour qu'on se taise. Et là, on entendrait une mouche voler. Même l'acteur, surpris, s'était retourné vers nous en se demandant qu'est-ce qui se passe. Après, il sale, il poivre, et la caméra maintenant avance doucement, lentement, zoom sur les yeux, vers le gros plan. Les spectateurs halètent. On ne voit plus que deux cercles jaunes et blancs, immenses, avec des éclats de poivre et de sel et la palpitation de la cuisson. L'acteur jette l'omelette dans l'assiette, coupe aux fourchettes, il coupe un morceau, et juste au moment de l'omelette dans sa bouche, toute la salle, comme un seul homme, se lève. Non, Arthas, c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Si, pour des raisons philosophiques, politiques ou médicales, vous ne faites pas le ramadan, il ne faut pas aller vous exhiber en public. Hein. Je veux dire, vous n'allez pas boire une canette, fumer une cigarette devant tout le monde. Par respect envers ce qu'ils font, mais aussi par peur de représailles. Les gens risquent de vous lyncher. Car celui qui a faim et soif et qui n'a pas fumé depuis l'aube n'est pas toujours très tolérant. Hein. De toute façon, quand le ramadan sera obligatoire en France, tous les restaurants, les snacks, les cafés seront fermés dans la journée, donc il n'y a pas de problème. Chez nous, en Algérie, jusqu'à la fin des années 80, quelques restaurants étaient autorisés à ouvrir pour permettre aux étrangers de passage, qui ne sont pas musulmans, de pouvoir déjeuner. Mais l'État n'a pas tardé à les fermer car ils avaient trop de succès auprès des autochtones. Ils arrivaient tous déguisés. Salam alaikum. On vient de France, nous, on est des chrétiens. Et en Tunisie, c'était beaucoup plus doux, beaucoup plus libéral. Les restaurants, la plupart, étaient autorisés à ouvrir, mais ils étaient tenus de garder le rideau de fer à moitié fermé. Pour qu'on ne voit pas les gens qui mangent à l'intérieur. Et pour que les jeûneurs qui défilent sur le trottoir ne voient pas les gens manger. Ce dispositif est un très bon compromis qui permet une infinité de combinaisons. Par exemple, l'athée convaincu mais respectueux, lui, va rentrer très discrètement. L'athée militant, lui, s'exhibe. Yalhawa, je vais manger et je vous emmerde. Hein. Il y a celui qui passe, qui jette un œil à l'intérieur, dépasse la boutique, puis revient en marche arrière accélérée et s'engouffre. Il y a celui qui rentre très vite, puis ressort beaucoup plus vite encore, il vient de reconnaître un collègue de bureau à qui il a fait croire depuis 15 ans qu'il fait le ramadan. Et le collègue, oh, avale le travers car lui aussi lui fait croire exactement la même chose. Et maintenant, pour en finir avec ce sujet, je ne peux résister à l'envie de vous raconter une petite anecdote typique des petits chocs des civilisations à laquelle j'ai assisté pendant le mois de ramadan de l'année dernière. Décor, un train, personnage, un monsieur français pur beurre, et face à lui, un beurre pur France. Le train est parti à midi, vers midi et demi, le monsieur français sort un sandwich et le pose sur la tablette, puis une bouteille de vin typique SNCF, il l'ouvre. Le jeune homme est mal. L'autre, il ouvre le sandwich. Hey, monsieur. Oui. Vous n'allez pas manger devant moi, là? Ben si, pourquoi? Mais vous n'êtes pas au courant. Mais au courant de quoi? Mais c'est ramadan. En plus, c'est du cochon, là, c'est double peine. Ah bon, que tu veux manger là? Mais je suis pas musulman, moi, jeune homme. Ouais, mais moi, je suis musulman, alors tu me respectes. Tu vas manger là-bas, je sais pas, tu vas où tu veux, mais tu ne manges pas là devant moi, là, qu'est-ce que tu fais, là? Mais qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais avec le truc, là? Ça va pas, non? Non, mais dis donc, monsieur, c'est le monde à l'envers, on n'est plus chez soi. C'est partout chez toi, sauf ici, là, va là-bas, c'est pas... Moi, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? C'est moi, c'est un plus cochon, là, c'est pas vrai, ça. À ce moment-là, le contrôleur est passé. Messieurs, dames, s'il vous plaît, vos billets, s'il vous plaît. Votre billet, jeune homme. Quoi, le billet? Quoi, le billet? Mais cache le billet, c'est ramadan, laisse-moi tranquille, là. Thank you.
Alors le couscous que j'ai préparé devant vous ce soir était à l'agneau, mais bien évidemment vous pouvez l'accommoder avec toutes sortes de viandes. Sauf... sauf lui. Lui, oui, mais pas lui. C'est gastronomiquement incorrect. C'est comme la choucroute, vous ne mettez pas celui-là. Voilà. Ça, c'est interdit absolument. Vous savez, l'alcool est interdit chez nous, mais il est plus ou moins toléré. L'autre fois, l'année dernière, j'ai pris l'avion Paris-Tunis. Il y a une hôtesse de l'air qui est allée voir un monsieur en lui disant « Vous voulez des glaçons dans votre whisky, monsieur ?»« Ah non, jamais. Moi, je bois halal, moi, monsieur. » Alors que le cochon est interdit, mais il n'est pas du tout toléré, pas accepté du tout. Pendant la guerre d'Algérie, c'était la famine, un garçon de notre village a chassé un sanglier. Et il voulait le manger, il avait tellement faim. Il s'est dit, je vais dépasser, je vais transgresser les règles, je vais le manger. Mais en même temps, il se sentait coupable. Quoi. Il est allé voir l'imam en lui disant, monsieur l'imam, je vous demande l'autorisation dans le cadre de la crise, de la famine, de manger ce cochon. Tu dis, mais tu es fou quoi. Mais tu sais bien que c'est interdit par la religion. Là, tu lui dis, mais il est tout petit, il ne connaît pas encore la religion. Alors si jamais vous avez envie de mettre de la volaille, un poulet à la place de l'agneau, vous pouvez bien sûr, mais surtout choisissez un bon poulet fermier, un gallinacé de ferme qui est élevé en liberté, même si ça ne lui a pas réussi. Qui mange bio, qui a de la cuisse, qui va en vététer au poulailler. Alors traditionnellement, le couscous est soit végétarien, soit servi avec une seule viande. Le couscous royal n'existait pas. C'est les restaurateurs pieds noirs d'Algérie, du Maroc et de Tunisie qui, quand ils sont arrivés ici en 1962 après De Gaulle, qui l'ont inventé. C'est exactement le même couscous que là-bas, mais ils y ont ajouté une couronne de viande de toutes sortes, d'où son nom royal. Si vous avez envie de manger un couscous royal au restaurant, choisissez un bon restaurant, parce que dans certains, on vous sert un couscous royal avec une cuisse de poulet nourrie aux hormones de croissance qui envoie des cyclistes en prison. Pendant que vous mangez, la cuisse pédale dans la semoule. Alors, juste à côté de la cuisse, trottine un morceau de tremblante de mouton britannique. La maladie de la tremblante de mouton britannique, qu'on appelle aussi la maladie de Creutzfeldt-Jakob, gagne en intensité à mesure que le mouton s'approche de l'Aïd el-Kébir. Je profite d'ailleurs à ce propos, j'aimerais bien dire aux Français de souche, cessez s'il vous plaît d'appeler ce rite sacrificiel la fête du mouton. C'est la fête des musulmans, le mouton lui, il n'est pas à la fête. On vous entend dire aussi quelques jours avant l'Aïd el-Kébir, ouais, ils mettent leur mouton dans les baignoires et tout. Bien évidemment qu'on les met dans les baignoires. Où voulez-vous qu'ils prennent un bon bain chaud pour se détendre avant d'aller au sacrifice? Alors, entre la cuisse et la tremblante de mouton, le mouton, vous avez des petites saucisses grillées qu'on appelle merguez. Elles sont disposées là. Les merguez, c'est une invention des juifs d'Algérie. Elles symbolisent les peurs ancestrales des circoncisions ratées. Nous musulmans partageons ce même complexe de la merguez avec les juifs. Allez, et maintenant, récapitulons. Donc un oignon de navet, 3 carottes, 4 courgettes, la ras el hanout, c'est les poivres, la ras el hanout, c'est le mélange des épices, la coriandre, des pois chiches et pour ceux qui veulent, du raisin sec. Vous faites revenir la viande avec l'oignon, sel, le poivre, la ras el hanout en votre âme et conscience, vous mouillez ça de 2 litres d'eau, vous laissez cuire. Et pendant ce temps-là, vous nettoyez les légumes que vous coupez en rondelles bien égales, que vous aurez mesurées avec un double décimètre pour qu'elles ne soient pas jalouses. À mi-cuisson de la viande, vous rajoutez le navet et carottes, vous réservez la courgette. La semoule maintenant, sa préparation est une question de sensation. Il faut entrer en contact médiumnique, chamanique, maraboutique avec les esprits de la semoule. Répétez après moi, s'il vous plaît. Dès que la semoule est prête, vous la mettez dans la partie...
que vous insérez ensuite dans la partie basse dénommée, que vous calfeutrez avec un morceau de tissu que les cabines appellent. Bravo! Lorsque la vapeur traverse la partie B et se met à planer au-dessus de la semoule comme un fantôme qui danserait une danse langoureuse tel Sami Agamal dans un navet égyptien des années 50, vous mettez la semoule dans un plat plat, vous mettez la musique à fond les manettes, vous mettez un akfal à l'endroit où se vissent les deux parties de votre corps et vous laissez aller la partie A sans bouger la partie B. Inversement proportionnel. Quand la sauce est prête, vous servez, vous mangez et vous buvez ce que vous voulez. Et ben voilà, bon appétit, sahaf tolkoum, sahkoum. Rien dans l'obscurité là. Bon ben voilà, ce cooking show est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous car le couscous est un plat qui se mange de bouche à oreille. Et la prochaine fois, s'il est écrit, Inch'Allah, que nous nous reverrons ici-bas, je vous apprendrai à réaliser un bon tagine moléculaire.